Fabrication des jolies tuniques par Marie. Alors, d'abord, du beau tissu, c'est du coton, voilà. Et une petite manœuvre. Voilà, on met du fil. C'est ça qui va permettre à faire, après de faire les jolis motifs. Voilà notre star locale, Marie Senghor. Au travail. Elle fait aussi des huiles de papaye, des huiles de coco, de la poudre de moringa, de la poudre de baobab, de la poudre de bissap. Ça, c'est une femme d'affaires. Marie, un petit sourire. Ensuite, les tissus sont trempés et re-retrempés dans la teinture qui a été au préalable préparée, puis rincés et encore rincés et encore rincés. Voilà les beaux tissus que Marie a teints. Voilà, elle y a passé toute la journée d'hier. C'est très dur, il faut des masques, il faut des gants, vous avez vu sur la vidéo, parce qu'il y a beaucoup d'odeurs et c'est très fort. Et du coup, alors voilà Marie, en fait, l'autre jour, j'étais filmée en train de coudre avec du fil blanc les tissus à l'origine qui étaient blancs, donc du coup. Et en fait, ça sert à ça, c'est ça, les coutures que tu fais, c'est qu'en fait, après, ça permet de faire ces petits motifs. Hein, c'est ça? Voilà. Voilà donc les résultats et le modèle de robe que nous vous proposons. C'est un modèle tout simple qui sera fait à vos dimensions dès que vous nous les fournirez. Attention, stock limité. Pour l'instant, nous n'avons que 8 modèles de tissu. À vous de choisir, faites vos choix et n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous.